Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Par... de chez... moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin ! Tu aurais dû écouter. Je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Ugh!
ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lits ici? Sensible, on dirait. Pathétique. Je m'ennuie toujours autant. Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien, on remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Tu
l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas tes... Tu ne peux pas gagner! Je ne sens rien! Mais toi, tu sens tout, et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là! Mais non! Finissons-en. Thank you.
était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien? Je vais bien. Bien. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. La montagne. Ça va être un long voyage. Oui. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Jamais seul, d'accord? D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Tu veux m'aider à monter là-haut? J'aurai une meilleure vue. Atreus. Oui, père. Bonne idée. Oh.
Terre. Est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais... le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça ? Viens. Trop tard pour les regrets. Dis, combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne ? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver ? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Concentre-toi. Tiens-toi prêt, Atreus. Oui, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Regarde! Regarde! Il y a un campement de Jotnar là-bas. Des Jotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si je les ai pas apprises, tu vois. Espace tes tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris.
Vas-y. Merci. Voilà la montagne. Allons-y. Attends. Ça craint rien. Tu vois? Ah, aide-moi. Père, aide-moi. Accroche-toi. Vite. Je glisse. Reste calme. J'y suis presque. C'était pas si mal. Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. C'était le dernier. C'était mieux. Prends encore plus ton temps. Peu importe si tu ne tires qu'une fois. L'important, c'est la maîtrise. Regarde ça. Lila. C'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Quelque chose brise le mur! Là-haut! Il y a quelque chose derrière le mur! Tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre. Pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous? Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Regarde là-haut! Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? Suis-moi.
Là, regarde. Bien. J'ai déjà vu ce langage. Regarde là, un autre. Ça dit que son nom est Runzmir. Ner m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin est là, et Thor, et même le Serpent Monde. Oh, Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. L'idiot.